Oh mon dieu! On ne tombe pas si facilement dans le corps. Docteur Gaster, d'où est-ce que ces deux squelettes viennent? Je n'en ai aucune idée, je ne les ai jamais vus de ma vie. Alors pourquoi est-ce qu'ils portent des initiales sur leurs mains? C'est une coïncidence. Gaster! Parfait! Hé papa, il faut que j'écrive un exposé pour l'école. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble la vie d'un père? Eh bien, Sans, c'est un peu comme la mort d'une personne. Pas littéralement, bien sûr, mais c'est un peu comme la mort du fun. Cette personnalité exaltante que tu avais en toi. Après avoir eu des enfants, tu vas perdre des amis. Et tu vas en souffrir. Bientôt, tu ne parleras plus de tes magnifiques enfants. Et tu ne parleras que des kilos en trop que tu as pris. Et voilà, j'espère que ça t'aidera pour ton exposé. Oui, je suppose. What does Gaster say? Wing ding 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 ding. Oh, oui mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des spaghetti. Désolé Papyrus. Mais je ne pense pas que je puisse... Alors, est-ce que tu les aimes? Stop! Hey gamin, comment ça se fait que tu n'ouvres jamais les yeux? Ses yeux sont emplis de péché! Oh... Bordel de merde. Surprise, motherfucker. Bon allez, j'en ai plein le cul. Non, je déconne. J'ai besoin de science. Bruh. Sans! Où est-ce que tu es? Tu es supposé être à ton poste, mais tu ne l'es pas. Où est-ce qu'il peut être ce flemmard encore? Tu sens ton Sans s'écraser sur ton dos. Docteur Gaster, d'où est-ce que ces deux squelettes viennent? Je n'en ai aucune idée, je ne les ai jamais... Ils viennent de mon frigo. Oui, voilà. Me jugez pas, d'accord?